Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réaliser un cake marbré. Alors, technique du cake marbré, avant de commencer, il va falloir prévoir votre moule à cake. Alors, pour le moule à cake, il vaut mieux le chemiser à l'aide d'un papier cuisson. Je vais vous montrer comment. Alors, première étape, beurrez votre moule à cake avant de mettre votre papier cuisson. Pour faciliter le démoulage, après avoir beurré votre moule, vous le mettez à l'envers, vous prenez votre papier cuisson et on va donner la forme de notre moule de cette manière. Et là, vous découpez pour justement pouvoir donner la forme de notre moule au papier. Et voilà. Là, donc, j'ai une forme qui est comme ça. Je reprends le moule et je vais chemiser mon moule à cake comme ça. Là, je vais juste découper ce qui dépasse. Alors, première étape, vous mettez le beurre avec le sucre semoule et on va les crémer. Bon, soit si vous avez du beurre en pommade, vous travaillez directement avec le fouet, sinon avec la palette si vous avez de très grandes quantités. Alors on démarre doucement le mélange beurre et sucre. Une fois le beurre commence vraiment à devenir pommade, vous pouvez accélérer légèrement la vitesse. Ensuite, on rajoute du miel ou un sucre inverti. Alors juste une bonne cuillère de miel, ça va donner un cake moelleux. Alors on va rajouter une petite pincée de sel. Le sel va permettre de mieux faire rajouter les œufs un par un. Bien sûr en les testant. Alors vous allez trouver la recette en bas de votre écran pour justement réaliser ce cake. Là, 5 g de levure chimique qu'on va rajouter à notre farine. Bien mélanger avant d'incorporer à notre masse. Et là, on va rajouter la farine petit à petit. Et on va laisser notre préparation quelques minutes au bas. On va rajouter un peu de vanille. Vous pouvez bien sûr utiliser également donc, de la vanille naturelle ou un autre arôme selon zeste d'orange ou zeste de citron. Alors à ce niveau-là, je vais répartir ma préparation en deux. Donc, j'aurai besoin de 2 cul-de-poule ou 2 bassines. Je vais diviser ma préparation en deux. Je vais laisser une vanille et une au chocolat pour avoir justement un cake marbré. Alors, après avoir réparti notre préparation, notre masse à cake,
Je vais mettre du poudre de cacao dans une de mes préparations jusqu'à obtention d'une coloration au chocolat pour faire justement l'effet marbré. De préférence, utiliser un cacao amer, le vrai cacao à 100% pour ne pas dénaturer et pour ne pas avoir une préparation trop sucrée. Alors maintenant, je passe à la préparation de mon cake. Alors, vous mettez deux bandes de vanille avec une chocolat à l'intérieur. Alors voilà, deux vanilles. Maintenant, je vais mettre sur la vanille deux bandes de chocolat à l'intérieur, une vanille. C'est le contraire. Et ainsi de suite. Alors pour que justement votre cake soit bien marbré, vous faites à l'aide d'un couteau des mouvements de va-et-vient à l'intérieur de votre cake pour vraiment le marbrer pendant la cuisson, comme ça. Et là, on va mettre un petit cordon de beurre dessus avant de l'enfourner. Alors enfin, pour que votre moule s'éclate bien de l'intérieur, vous prévoyez un peu de beurre au centre, en pommade, ou ce qui vous reste du beurre fondu, vous le versez, vous le mettez juste une petite bande, et on va mettre notre cake au four moyen, entre 175 et 180 degrés Celsius, pendant au moins 35 à 40 minutes. Et on se voit. Alors voilà notre cake bien ouvert. Alors pour la cuisson du cake, comme j'ai dit, 175-180 degrés, entre 35-40 jusqu'à 45 minutes. Après 35 minutes de cuisson, vous mettez le couteau à l'intérieur de votre cake. Il faut vraiment que ça sorte sec. Également, donc, saupoudrer notre cake légèrement de sucre glace. Et là, on va voir. Alors, et là, on va voir ce que ça va donner à l'intérieur de notre cake marbré. Alors, comme vous voyez, il est vraiment marbré de l'intérieur. Et c'est la recette du cake marbré. Alors, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu également. C'est un cake marbré. On va voir le cake anglais à base de fruits secs. Et on va voir aussi les différentes sortes de cakes, cake aux noix, cake aux amandes et cake aux fruits. Comme je vous ai dit, le cake anglais, le fameux cake anglais.